Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien, comme d'habitude. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales avec l'épisode 11, 4K, 60 FPS, évidemment, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous dans le noir et kiffez, kiffons tous ensemble. Il y a juste derrière une petite planque à récupérer. On va s'en occuper, ça c'est gratuit, c'est Bibi évidemment, qui régale, j'ai 3 points de compétence aussi à me donner parce qu'on a fait pas mal de petits crimes, on a fait pas mal de caisses, en fait. Justement on s'est régalé, on va pouvoir aussi changer de costume. Est-ce que ça vous a fait plaisir de revoir le costume du film d'animation Miles Morales? Est-ce que vous voulez le revoir? Est-ce que vous voulez qu'on en mette un autre? De toute façon là, on va s'équiper juste avant d'enclencher évidemment la quête principale et on est parti, elle est clairement pas à côté, direction donc le port. Alors, quoi? Que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écouteras rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles. Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Miles, non. Hop, 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 hop. Attendez, attendez, on va se calmer vite fait. Comme je disais juste avant, j'ai été interrompu, j'ai des points de compétence à mettre 3 pour être précis. Alors, activer L3 et R3 en mode camouflage pour redevenir visible en libérant un éclair aveuglant. D'accord, ça m'intéresse pas de ouf. Maintenez L1, R1 pour tirer vers le bas les ennemis entoilés furtivement. D'accord, ça m'intéresse pas spécialement de ouf. Agrandir la zone d'effet, ça c'est plutôt pas mal. On a un marteau beaucoup plus efficace. Permet de stocker un troisième coup de grâce. C'est plutôt pas mal non plus. La méga charge bioélectrique se déclenche automatiquement avant un coup fatal sans vider votre barre. Ne peut se produire qu'une fois par combat. Et appuyez sur quoi quand vous atterrissez sur un ennemi durant un sprint bioélectrique pour réaliser un saut bioélectrique les projetant en arrière. Ah, je sais déjà même plus comment on fait le sprint bioélectrique, ça c'est terrible. Ah ouais, ça c'est terrible, je sais plus du tout. Les attaques murales paralysent les ennemis à l'impact. D'accord, il n'y a pas des choses... Le coup de grâce génère 40% d'une barre de haut, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout pour le coup. Et ça, ça me paraît pas mal non plus. Ça me paraissait pas mal non plus. Eh bien, écoutez, c'est fait. Cocon explosif est à présent parti des techniques. On peut voir une nouvelle tenue, pourquoi pas, pendant qu'on est là. Je pense qu'on a assez de points. Elle, j'aimerais beaucoup les prochaines, donc on va attendre. Il y a juste une ou deux missions à terminer. On va essayer une prochaine. Quoi qu'il y a celle-ci? Ah, j'ai pas assez de jetons d'activité. Ouais, il y a celle-ci qui est pas dégueu, en vrai. Hein. Il y a elle aussi. J'ai pas assez de jetons d'activité, ça c'est dommage. Eh ben écoutez, on va... Ok, d'accord, je me fais direct tabasser la gueule. Excusez-moi. Hop, c'est bon. C'est des petites patates. Hop, on est bon. Quoi? GG. C'est pas du tout moi le problème, c'est toi. Allez. C'est toi qui as peur. Ok, ça c'est fait.
Ok. Ah, bien joué. Hop. Ça, c'est fait. Je suis obligé de me battre pour cette ville. Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre? Hop. Que tu pourras plus faire si t'es mort. Ça, c'est fait. Et ça. Bah, y'a plus personne. Ah! Bien joué, le double coup. Ok. Ça, c'est pas mal. Ouais, mais on arrête de se battre, non? Allez, le rôdeur, faut arrêter de rôder. Ah, bien joué. Ok, ça c'est pas mal. Ok, je sais pas du tout où il est. Wouh! Ok, on a eu très très chaud. Attends, ça peut être infini là, oh! C'est bon. GG. Hop, c'est bon, aucun problème. Tu comprends pas? Je suis le seul à vouloir te sauver! Et moi, je veux sauver tous les autres! Ah oui, d'accord! Ah les gars, prévenez un peu! Ah oui, d'accord! Les gars, prévenez un peu! Ça, c'est problématique, ça, ce qui se passe là, non? Hop! Ok! Quoi? Non, j'ai esquivé, je suis désolé, ça! Ok! Ok, ok, on va devoir mettre quelques coups encore, ça va être que. Ça se joue que à l'esquive! Donc je suis Spider-Man, ça devrait le faire. Mais on peut changer ça. Ok. C'est compliqué cette histoire. Je vois pas comment faire. Ok, c'est bon. Faut vraiment qu'il m'aggro au corps à corps, non? Ça va être compliqué. Toujours battu pour toi, jamais pour les autres. C'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Non, j'avais esquivé. Là par contre, ça je suis désolé. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Si je mets point par point, ça va être très 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 chaud. Ok. Allez le rôdeur, c'est pas le moment de déconner. Oh ça c'est beau. Oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Qu'est-ce que je lui mets pas? Qu'est-ce que je lui ai pas mis à celui-là? Ok. Aïe! Double aïe! Oh non, il m'éclate la gueule. Très bien, c'est pas grave. Je dois pas m'approcher de ce truc. Ouais, 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 mais frérot. Non, 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 non. Ok. Ok. Non, c'est pas vrai. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça c'est dommage. Ok. Let's go. Tu te lances dans un combat, tu peux pas gagner. Tu sais qu'il faisait ça aussi. Me parle pas de lui. Tu veux que ta mère se retrouve toute seule? J'empêcherai ça. Ok. Ah oui, d'accord, ça c'est... Ok. Ça esquive, ça esquive. Ça, c'est terminé pour toi. Alors, ok. Je suis le gamin qui inspire les autres maintenant. Ok. Calme-toi, calme-toi. On va pas trop s'emballer. Oh putain, non, j'avais esquivé, ça c'est dommage. Ok, je peux récupérer ma vie. T'as jamais voulu accepter que je sois Spider-Man. Que je dois prendre des risques. Bien joué ça. Oh non, j'ai esquivé. Ok. On va réessayer le coup de Trafalgar numéro 5. Hop, c'est ça. Et là, c'est ça. Et là, on lui met des patates. C'est terminé pour lui. Ok. Oh, trop bien ce que j'ai fait. Je lui ai arraché la gueule. Il est où le frais de toi?
Il est où le vrai toi? Attends, fais pas les tristes, frérot. Concentre-toi. Concentre-toi. Ok. Je fais ce que je dois faire. Comme toi. Ok. C'est terrible. Oh non, non. Non, tu triches, t'es un tricheur. Non, un tricheur. Ok. Non, bande de tricheurs. Attends. Oh, dommage. Ok. J'ai pas l'intention de te laisser retourner là-bas. Ok. Très bien. Ok, pas mal. Pas mal du tout. C'est terrible ça. Ok. Oh non, bien joué à lui. Ça a clairement été le meilleur. Oh, bien joué à moi. Oh non, c'est chaud, c'est chaud. Je suis très concentré, désolé si je ne parle pas. Et là, vous comprendrez que vu la situation exécrable dans laquelle je suis, avec un oncle qui veut clairement m'arracher la gueule. Ok. C'est bon, let's go. C'est terminé. Oh la vache. Ils sont trop nombreux. Non, c'est trop, beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Let's go. C'est très très chaud, les gars, vraiment là. C'est beaucoup sur l'esquive. L'esquive et la contre-esquive. Boum, c'est terminé pour toi. Tragédie familiale. On va peut-être en savoir plus. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis, toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Bah oui, toujours donner le meilleur de soi-même, évidemment. Allez au Forum des Sciences d'Oscar. Mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein? Ça va? T'as rien? J'ai dû me battre contre lui. À la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir. Jamais. Je suis désolé. Ça a pas dû être facile. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le Forum des Sciences. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. On dirait qu'il pleure un petit peu dans sa voix, tu vois, il a la voix tremblotante, le frérot. C'est compliqué. Hop, mais bon. On va passer par ici. Alors. Bon. Où est le souvenir censé sûrement être dans une grotte. Bonjour à tous. Régale-moi. Cette émission ne va pas être très gaie. Alors, je vais en profiter pour vous inciter à agir aujourd'hui. Les choses vont mal. What? À Harlem. Je sais pas où ça peut être. C'est la guerre entre l'Underground, Roxxon et Tinkerer. Et les habitants du quartier pris entre deux feux en font les frais. Ça que je veux la faire. Candidate au conseil municipal Morales organise une évacuation à grande échelle vers le Bronx. Donc, si vous habitez en dehors c'est de Harlem, forcément un tunnel, non? Vous avez une chambre, un lit, un canapé, n'importe quoi. Vous pouvez sauver des vies. Je sais que vous avez peur. Eh moi bien, aussi. Je ne vois pas. Mais le moment est venu de serrer les coudes. Tous ensemble, je ne vois pas. Mon conseil ça du jour, peut c'est être de prendre soin des gens que vous aimez. A plus tard, les amis. Bon, écoutez, pour le coup, là, c'est un piège, non? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, je dois faire un bail. Position confirmée. Quoi ? Position qui ? Pourquoi pirater un panneau publicitaire ? Mais voilà. Quand j'ai rejoint le mouvement, j'aurais jamais cru que je piraterais des panneaux publicitaires. Ça fait parler de nous. C'est la façon dont vous l'ouvrez. Bon, bah écoutez, on va le faire. C'était pas une critique. Je trouve ça super. Non mieux. Parce que la ville sera bientôt entre nos mains. On va le faire, on va le faire. C'est pas grave, ça va être vite fait. Enfin, ça va être vite fait. Non, c'est vite vu, mais... J'ai pas joué. Je sais pas du tout, j'en ai aucune putain d'idée. Ils ont déjà peur de ça, ils vont pas être déçus. Ça va être énorme. Ok. Coucou toi. Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse une saisie aérienne. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai ma petite idée. Let's go. On va y aller. Comme ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est considéré comme des saisies aériennes ou pas? Parce que je saisis le mec aérien. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est beau, ça. Ok, c'est moins beau. Attends. Hop. Ça, c'est pas considéré comme des saisies aériennes? Et si je fais ça... Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, d'accord, j'ai compris. En gros... Hop. Très bien, j'ai pigé. Ça va pas être un problème. Ok. Et ben voilà. Plus qu'à désactiver l'émetteur. Aucun problème. Bon, bah écoutez, je pense avoir, avoir compris. Par contre, j'ai trop bien terminé, hein, vraiment. Donc les saisies aériennes, il faut qu'ils soient sur le sol. Non, ça ne marche pas si tu les saisis en l'air. En fait. Il faut les saisir pour les envoyer. Ça fait 3 jetons supplémentaires. Let's go. Allez, on va passer à la suite de nos aventures. J'ai fait un petit cream. Par contre, aucune idée. Si quelqu'un sait comment accéder à ce bordel là-haut, là. Ah, près du pont aussi. En vrai, vous savez quoi, je vais faire la cache au pont. Au moins, c'est fait. C'est ça. C'est votre dernière chance de procéder à des amarres... Ah bah non. Ah bah non. Ah bah je suis désolé. On va... Non, pas encore. Ah ouais, mais non, on peut pas terminer pour ça. Oh non, c'est la fin du jeu, ça me fait mal. Oh, ça me fait tellement mal. C'est un coup en plein dans ma gueule qu'on a là. Bon, évidemment, la fin du jeu va pas se faire en 30 minutes non plus. Ça va sûrement se faire en 1 heure, voire 2 heures, mais quand même, ça fait chier. Donc, je suis pas encore prêt. On va la vache, Roxon et l'Underground s'affrontent en pleine rue. Tranquillement et faire 2-3 petites quêtes. Je vois pas ce qui me repère en fait là-haut pour le coup. Let's go. Les amis, les petits commerçants sont le pilier de l'Amérique. Et J. Jonah Jameson est leur plus fervent défenseur. Mais ils ont aussi un ennemi, Spider-Man. Apparemment, il s'est amusé à interrompre leur ravitaillement à Harlem. Ça, c'est embêtant. Pour en parler. Tiens, récupère cette connerie. Hop, ça dégage. Qui d'autre? Quelqu'un veut m'embrouiller? Allez, ça dégage. Je t'ai percuté la gueule, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Hop. Quoi d'autre? Qui d'autre? Toi.
lui dégage aussi. Et ben voilà. Mission complete. Bon, c'est par où? Allez, indiquez-moi un petit peu où est cette petite caisse des familles. What? Signal fort. Ok, c'est dans cette caisse-là. Je suppose que c'est par là, non? Bah oui, c'est bon, let's go. Eh bien écoutez, on va faire encore une ou deux caches. Bah, ça m'embête de lancer en fait. Je sais que ça va vous frustrer, ça vous avait déjà contre Rhino énormément frustré de s'arrêter en plein combat. Donc on va essayer de bien faire les choses. C'est pour ça qu'on va pas tout de suite conclure notre histoire, évidemment. Hein, on va essayer non pas de faire durer le plaisir, mais bah, d'aller chercher quand même de quoi m'acheter de nouveaux costumes et tutti quanti, ça serait, je pense, plutôt pas mal. Et puis, prochain épisode, vous inquiétez pas, on conclura l'histoire et ce sera sûrement le dernier épisode, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. J'espère en tout cas que cette courte aventure, mais en 4K, 60 FPS, vous a réellement plu. Moi, j'ai grave kiffé à titre personnel. On va peut-être monter là-haut, mais c'est par où? C'est par où, les gars? Attendez, là-haut. Oh, les coquins. Oh, attends, ils ont modélisé l'intérieur et tout, genre. GG de ouf. Ils ont modélisé l'intérieur de certains bars et tout. Putain, c'est trop stylé, vraiment. Par contre, je vois pas du tout où ça peut être. Ah, le classique ici, hein. Le classique, le classique. Ah ouais, le double classique même. Allez, go. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, tiens, tiens. On a fait la moitié des caches, c'est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que c'est, un échantillon sonore? Ah ouais, non, ça, c'est l'enfer. Par contre, avec l'échantillon sonore, en vrai... on peut avoir un truc pas trop dégueu. Vous savez quoi? On va tester cet échantillon sonore. Il est temps de se venger. Et il a dit que, oubliez pas, si on réunit tous les échantillons sonores, il nous dira ce qui s'est passé avec le padré. Ça peut être hyper intéressant. Et ça peut peut-être même limite prendre un épisode à lui tout seul. Ça se trouve, c'est rincé de ouf. Mais si ça se trouve, c'est gigastillé. Donc, wait and see. On va voir ça tout de suite. Alors, on va pas le savoir tout de suite, mais on va le savoir si on le réussit. Et moi, on s'endormait tous les soirs avec ce bruit quand on était gamin. Le rythme était parfait pour ça. Alors, un truc rythmé qui était déjà là quand papa et oncle Aaron étaient petits. C'est le train, non? Excusez-moi. Non, je ne comprends rien par là. Oh putain. Alors, attendez. Mais d'où tu t'endors sur ce bruit, frérot? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Trop éloigné. On sait que c'est ça? Quoi? Une plaque d'égout? Mais ça, putain, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens, ce son, je suis désolé. Sachez que j'ai galéré de ouf. C'est vrai que c'est dedans? Oh non, quelle erreur. On ressort. Ok, ça peut pas être dedans. Alors là, pour moi, c'est ça, hein. C'est pas ça? Spider-Man, je crois que c'est derrière. Non, non, je quitte pas, j'aimerais juste comprendre en fait. Je suis allé trop loin, je crois. Alors attendez, je comprends pas, c'est terrible. Qu'est-ce que ça peut être? C'est terrible. Et ben voilà. C'est un bon rythme, ça. Mais personne ne joue la nuit. Putain. Ouais, mais alors attends, c'est compliqué votre truc, les gars. En vrai, source bloquée. En vrai, ça peut être quoi? C'est terrible, trop éloigné. Je dois attendre que... Non, je me suis fait arnaquer. Attends.
de fin d'année. Terrible, c'est terrible. Il y avait écrit. Et ben voilà. Horrible ces missions. Alors là, je suis vraiment désolé, hein, mais horrible, ni fun. Mon père et moi avons grandi tout près d'ici. Avant de déménager à Brooklyn, entendre le grincement des freins quand les rames tournent ou s'arrêtent, ça me rappelle les discussions qu'on avait avec mon père jusqu'au tard dans la nuit. À parler de ce qu'on s'imagine devenir une fois adulte, moi, je voudrais être conquérant de l'espace. Ton père, ça changeait régulièrement. Médecin, pompier, assistant social. Mais c'était toujours pour aider les autres. Attends, c'est quoi ces conneries? Mais what? Alors, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi... Ça repop derrière, c'est terrible. Ah, oh, je suis désolé. Je suis désolé. Comme quoi, c'est pas facile à trouver. Hein. Mais quoi? C'est quoi ces conneries? Si vous pouvez donner de l'argent, du temps, des couvertures ou de la nourriture pour aider les résidents, ce serait super. Le conseil du jour, pensez à mettre du papier au fond de votre poubelle pour absorber. Bon, je crois qu'on doit attendre un nouveau train. Un livre de J. Jonah Jameson, par exemple, fera parfaitement l'affaire. Ciao. Sinon, on peut faire ça, non? C'est dans une cache. Oh non, c'est malaisant, il n'y a rien autour. On peut pas s'arrêter sur ça. Il faut un petit truc croustillant quand même. Ok, let's go. On va stepper ici. On va stepper ici. Voyage rapide. Bon, on va faire une ou deux planques. Ah ouais, non, sinon c'était embêtant. C'était très embêtant. C'est lui. Et vous savez quoi? Étant donné que c'est fondant croquant, on va carrément en faire deux. Comme ça, au moins, c'est fait. On a une juste ici. Voilà. On va rattraper un petit peu notre coup. Alors, c'est où? C'est sûrement par là. Ok, ensuite, c'est où? Peut-être par ici? Oui. Voilà, ça, c'est dans ma gueule et je passe direct de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut me tester? Personne ne peut me tester ici. Allez, ça, c'est fait. Et le dernier, puis on va pouvoir s'arrêter là. Oh, je suis désolé que le truc de son ait mis autant de temps. Ah, allez, vas-y. Oh, ouais, on en a deux même. On en a deux qui régalent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être aller à celui à 300 mètres. Yes. On va aller à celui à côté. Ça devrait pas poser de problème. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En bas, en haut, vous croyez? Bien, c'est en bas. Ok, encore en bas. Ah, d'accord. Pas de soucis, c'est fait. Bon, allez. C'est un épisode très très court finalement. Hein. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'histoire principale, mais vous aurez compris que c'est la fin. Juste après. Allez, pourquoi pas les récupérer souvenirs? Ce serait dommage de venir. Autant venir pour ces trois choses. Bon, écoutez, bah, j'espère que cet épisode court mais sympa quand même vous a plu. Les prochains épisodes marqueront la fin de notre histoire sur Miles Morales. Ça vous laisse, regardez, kiffer quand même. C'est pas beau? Franchement, vous en prenez pas plein la gueule en 4K, même si je suppose que vous êtes nombreux à pouvoir profiter de votre PlayStation 5. Malheureusement, beaucoup trop nombreux aussi à pouvoir ne pas en profiter. Et ça, on c'est a mis assez la capsule terrible. Dans un tuyau, mais je sais plus lequel. C'est Malo? C'est lui, ça dégage. Voilà. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Regardez-moi cette luminosité avec ces petits flocons, avec cette lumière, avec ce nombre de personnes dans la rue. C'est incroyable. Vivement, vivement un GTA 6, ça peut annoncer que du bon. Allez, à la prochaine tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. Encore un rapport de la pile. Vol des marchandises d'un camion du fist.